Donc, au niveau du matériel, j'aurais besoin simplement d'un bâton de sanguine, une estompe en papier pour estomper, une gomme à effacer mie de pain et une feuille de papier avec un grain quand même assez fin et une couleur un petit peu chaude pour rester dans l'harmonie colorée de la sanguine. Pour commencer, je vais placer les éléments, donc la fleur et les feuilles. Je ne mettrai pas la bouteille, sinon ça ferait vraiment trop long. Je préfère mettre juste la fleur. La bouteille, c'est vraiment juste pour la tenir. Je vais le placer avec un dessin très sommaire que je vais améliorer petit à petit. On a une petite inclinaison qui est intéressante. Disons que la fleur, alors ça me permet de placer les proportions. Si je veux une grosse fleur ou une petite, c'est là, c'est maintenant que je le détermine. Je dirais qu'elle va venir à peu près comme ça. Ah oui, vous voyez, je fais une ligne ici sans appuyer. Tant que j'appuie pas, ça s'efface bien. Vous voyez, ça ne laisse absolument aucune trace sur le papier. Si j'appuie trop, je ne pourrais pas l'effacer complètement. Donc voilà à peu près la forme de la fleur. Alors là, ce qui est important pour moi, c'est que la proportion soit bonne entre la largeur et la hauteur. Elle est carrée, vous voyez, elle est aussi large que haute. Puis la tige. Ensuite de ça, il y a le départ des feuilles. On en a une qui vient par ici. Il y en a une qui monte par là. Il y en a une qui s'en vient par ici, très loin. Il y en a une qui part en arrière ici. Qui s'en vient vers nous. Une autre qui monte par ici. Bon, et bien là, ce qui est important pour le moment, c'est de voir que tout est proportionnel. C'est-à-dire que par exemple, cette feuille, elle est un petit peu trop grosse, peut-être par rapport à la fleur, ou bien par rapport à celle-là. Ou bien elle est correcte, ou bien elle est trop petite. C'est là qu'il faut que je détermine les proportions. Vous voyez, j'ai l'impression que je devrais mettre un petit peu plus de tige et d'augmenter ma fleur à peine un petit peu plus haut ici. Parce que si je mets le pédoncule ici, j'aurais peut-être pas la place de tout mettre. La feuille est là. Peut-être que je vais monter à peine un petit peu la fleur ici, là. Ok, donc je vais effacer ça ici. Et on va la faire monter un petit peu plus haut. Jusqu'ici. Ça a l'air un petit peu plus proportionnel. Voilà, donc là je vais pouvoir commencer à travailler. Je vais aller de haut en bas parce que j'appuie un petit peu ma main, sinon je vais tout salir. Donc je vais commencer vraiment par la fleur. Donc j'essaye de faire les choses telles que je les vois. Je vais placer le bas ici. J'essaie de me situer. Bon, ici, je suis un tout petit peu plus à droite que le milieu complet.
Ici, j'ai une inclinaison, il faut que je sache dans quel sens ça s'en va. C'est quoi l'inclinaison? Est-ce que c'est plus vertical, plus horizontal? Ici, je sors, donc le bord de la fleur est un petit peu incliné comme ceci. Et là, le pétale sort pour faire une boucle comme ça. Et là, je me dis, où est-ce que j'arrive ici? Où est-ce que le pétale disparaît? C'est à peu près dans l'axe d'ici, là. Voilà. J'y suis au fur et à mesure. J'efface ce que j'ai sali avec ma main. Peut-être ici j'incline un peu trop. Fait qu'il va falloir que je la redresse légèrement. Une toute petite affaire. Donc je m'applique à faire les choses doucement, doucement, telles que je les vois. Ok, ça c'est le pétale de gauche qui est ici, il tourne, et puis il y a l'autre qui est extérieur, qui va dépasser juste un petit peu comme ceci. Donc lui, il va disparaître derrière un pétale qui est plus à l'intérieur que je vais faire après. Et vraiment au ras ici, les deux pétales, celui qui est ici et celui qui est derrière, ils sont vraiment au ras, ils s'alignent bien l'un avec l'autre ici. Ici, du moins d'où je suis, c'est ce que je vois. Ici, c'est un petit peu dentelé. C'est un petit peu plus vertical que ce côté-ci. Celui-là, il penche. Celui-là était un petit peu plus vertical. Donc j'ai fait 1, 2 et 3 pétales. Ils sont terminés. Je vais faire celui qui est ici à l'intérieur, mais le premier en avant, qui lui est assez simple. Il part d'ici. Il monte un petit peu. Il devient horizontal. Puis il redescend en boucle, en courbe comme ça. Ici, la partie arrondie, gonflée, est trop petite, il faut que je l'agrandisse un petit peu. J'ai fait la partie étroite trop longue. C'est juste au bout que c'est comme ça, puis hop, ça commence tout de suite à faire la courbe. Et là, on continue à faire nos pétales à l'intérieur. Donc, je vais effacer les anciennes lignes qui pourraient nous tromper. J'ai ici un tout petit bout comme ça. Ici, il y en a un qui est un petit peu pointu. Qui descend comme ça. Qui s'arrête ici derrière à la jonction des deux, puis là ça devient vertical.
mettre un petit peu plus loin, là, comme ça. Parce que là, c'est lui qui s'en va derrière. Il y en a un autre qui part comme ceci. Qui va retomber juste un petit peu ici. Il y en a un autre en haut qui monte. Comme ceci. À peine un petit peu en dedans du pétale d'en arrière. Et qui recourbe vers ici. Je vois juste une petite pointe ici. Une courbe comme ceci. Et une petite pointe ici. Voilà, j'ai fait tous les pétales que je vois d'où je suis. Je suis un petit peu en dessous de la fleur. Fait que là, pour l'instant, je continue le dessin au trait. Après, on mettra les ombres. Alors, je vais aller faire tout ce qui se trouve ici. Juste en dessous. On va ranger un petit peu la base. Toujours un petit peu de nettoyage. Vous voyez, ça c'est une forme qui sera très foncée puisqu'elle est dans l'ombre. Il y a un petit départ de feuille qui disparaît derrière la grosse qui est ici en avant. Celle-là, elle est vraiment à plat, on la voit de profil. Donc c'est vraiment avec les ombres et les lumières qu'on va pouvoir le faire apparaître sur le dessin. Je m'aperçois que je suis un petit peu loin de la tige. Il faudrait que je grossisse toutes ces feuilles-là. Ou que je décale la tige parce que je l'ai un petit peu trop inclinée. Thank you.
Là, encore une fois, celle-là aussi, ça va être l'ombre et la lumière qui vont nous déterminer vers où elle s'en va. Ça, c'est un raccourci, ça s'en vient vers moi. C'est plus difficile. Alors c'est celle-là qui est difficile. Je compare par rapport à l'autre, où est-ce qu'elle arrive. Vous voyez, c'est presque horizontal, ça courbe un petit peu, rendu ici, hop, ça s'en vient comme ça. Mais ça descend pas beaucoup parce que ça vient vers moi. Donc c'est là où il faut faire très attention. Si je regarde la hauteur ici, c'est très petit par rapport à la largeur. C'est la ligne ici qui va nous faire comprendre la perspective et qu'elle vient vers nous. Il y a un dessin dans le bas, là, ça, où ça finit, ben, ça finit flou, là. On ne met pas vraiment une fin comme telle. Voilà, tout est placé. Je vais pouvoir commencer à mettre les ombres et les lumières pour réaliser le volume et donner l'intérêt. L'atmosphère au dessin. Donc, je vais commencer à placer les zones les plus foncées. Ici aussi, on manque un petit peu de rondeur. Okay. On a un petit triangle de lumière ici, comme ceci. Donc, on va dire que cet angle-là, je vais le laisser clair. Donc forcément, il faut commencer à foncer un petit peu. Alors, je vais y aller doucement parce que si c'est trop foncé, c'est difficile après de rééclaircir. Et je vais utiliser l'estompe. Alors, il y a des endroits où ça peut être estompé parce que c'est doux, puis des endroits où ça découpe net, comme ici le pétale qui vient par en dessus, par en avant, et là ça découpe. Ça aussi, c'est un petit découpage, vous voyez là. On peut estomper aussi avec les doigts si on veut vraiment donner de la douceur. Alors là, dans le bas ici, on a une coloration de la fleur qui fait que c'est un petit peu plus foncé. Puis il y a une petite texture aussi légèrement. Alors là, on utilise le papier pour rendre ces points.
Si vous ne voulez pas salir, une méthode consiste aussi à mettre une feuille de papier, ça c'est du papier essuie-tout. Et là je peux m'appuyer et puis travailler comme ça, sans risquer de salir ma feuille. Moi je préfère m'essuyer les mains et venir m'appuyer sur le papier, comme ça avec un petit doigt. Et là on peut travailler avec précision. Ce pétale-là est vraiment dans la lumière. Moi, celui-là, il est très foncé. Parce qu'il est tout en contre-jour. Une petite pointe foncée par ici. Je nettoie un petit peu mon efface. Je crée un pointu. Là, je vais pouvoir aller effacer des lignes qui me dérangent.
Là, j'appuie beaucoup pour renforcer le contraste pour ce pétale qui est pas mal plus en avant.